بون حاضر pas de téléphone en venait pas voir. C'est bon? Pourquoi je la fais comme ça? Ah, c'est vrai. Les sciences morales, a priori, elle est là. Non, elle est là. Allez. Donc, c'est une question de 67 ans. C'est qui, on a des nos cas en 70. Dans le sténosan, une stérobourgeonnant, dans l'opérable. Bon, il y a une nette régression de la lésion, mais elle est toujours là. Elle fait à peu près, on va dire, 3 fois le fibroscope, dans un profil de 2 cm de diamètre. Il y a une petite rétraction ici. Là, les gens étaient aussi histoire. On va aller en visant direct. Ça, c'est des gros plis. C'est une orille. On va aller en visant direct. On aspire, on a injecté. Vu que la patiente n'est pas intubée, c'est une grosse sédation. Il n'y a pas intérêt à faire des biopsies, c'est juste pour évaluer l'état local. Donc, c'est un petit frottement avec l'endoscope et bon, c'est assez large quand même. Voilà, là, elle remonte peut-être juste au, on va avoir juste au cardiaque. On va essayer de refaire une rétrovision du côté du constat pour voir faire entrer le tube.
La lésion remonte jusqu'au cardia. Donc elle va finir par sténoser le cardia, elle va évoluer. On la voit bien là, on est en coloration, on a la filtration fémorale qui est juste là. C'est un aspect polypoïde bourgeonnant. Il y a les sept circonférentielles, c'est des lésions circonférentielles. Donc, c'est une lésion ultéro-infiltrante qui envahit le cardia, les circonférentielles. Elle s'est améliorée sous les signaux, mais elle reste sténosante. Donc, après 6 mois de signaux, il va falloir compléter la chimiothérapie et espérer qu'elle reste stable. Mais le risque pour le moment, ce sera soit le saignement, on ne le voit pas, mais plutôt la sténase. Même le saignement, il y est. On ne va pas faire de biopsie, comme on a dit, pour faire un glisser. Donc, on va repartir. C'est une lésion qui commence à 45 cm des arcades dentaires, juste avant la jonction, voilà, juste là. On remonte, 45, on remonte, elle remonte au cardia, en fait. Cardia, on est jusqu'à là, voilà. Donc, si jamais il y a une indication de prothèse, il faut qu'elle commence à l'œsophage. C'est-à-dire à 40 cm de cardia. Donc, on va rester sur une prothèse de 10 cm minimum. Ouais. On sortait doucement en aspirant l'éventuel pour qu'on a injecté. Ouais, c'est ça. Ça